Tous et à toutes, je suis aujourd'hui un petit rétro parce que ça faisait un moment que je vous en ai pas présenté un. Et on va rester dans le classique avec Mega Man Zero, sorti sur Game Boy Advance en 2002, développé par Capcom. Alors pourquoi ce jeu? Parce que il y a plusieurs mois, enfin quand j'avais encore les vacances d'été, quand j'étais encore en vacances scolaires, je speedrunnais ce jeu sur la ROM US. Là, j'ai pris une ROM traduite en français pour la compréhension de tous. Mais comme j'en ai seulement sur la version US, j'ai pas retrouvé mes saves sur la version FR et elle n'aurait pas été acceptée. Et j'avais plutôt un bon temps, je m'étais même fait une fiche de route. J'arrive autour de 25 minutes. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas leur montrer? Parce que Megaman, c'est quand même une licence connue, ce sur NES principalement, et pas ce sur les autres plateformes. Donc on va se lancer de suite. C'est parti. Voilà, alors pause. C'est le seul problème que je mettrais juste parce que c'est l'introduction qui est extrêmement longue. Mais c'est tout ce que je mettrais. Sinon le jeu est très bon. Alors de suite, on va tout de suite commencer par le menu. Alors nous avons notre niveau de vie, le niveau qui correspond au grade en fonction des missions.
mon arme principale. Alors ensuite il y aura les armes secondaires, il y aura plein de choses. Mon code, c'est juste pour le grade. Les cristaux qui seront utiles pour, si je dis pas de bêtises, upgrader des les elfes. Alors les elfes c'est encore autre chose. Et le chrono, ça c'est pour le mode speedrun. Alors les elfes, il y a trois catégories. Il y a les elfes de soins, d'autres qui améliorent les facultés, et ceux qui modifient les données, c'est pour les armes. Et mon là c'est la configuration. Donc je vais juste chercher un truc. Ma première arme, vaisseau charge. Ouais, c'est bon. Donc on va y aller. Ouais. Alors là j'ai une arme de merde, je vous le dis tout de suite. Le blaster c'est pas la meilleure arme du monde. Là ce que vous voyez à gauche c'est ma barre de vie. La petite bullette c'est... Ah super, j'ai le dash, donc dash avec L. Je ne peux pas charger mon arme, mais ce sera... Alors le chargement d'arme ce sera pour plus tard. Zéro peut faire à son niveau quand même pas mal de choses, notamment faire un saut tiré, un saut dashé. Alors ça c'est utile pour les runs, pour le speedrun, ça c'est une technique extrêmement pétée. Parce qu'en fait il faut savoir que lorsque vous êtes sur la fin de votre dash, et bien même pendant le saut, votre dash est conservé. Mais le mieux c'est de bourrer avec une arme beaucoup plus efficace. Donc là attendez, regardez, on va passer vite ce plan de mission. Vous voyez à quel point c'est super long. Donc on bourre, on bourre, on bourre. C'est pas grave si on se prend des dégâts, de toute façon il y a un je vous cache rien, il y a un script où il faut perdre sa vie. Donc là une impasse, oh mon dieu, mais on tombe. Mais zéro sauf ciel. Et on continue. Alors le transfert, je vous expliquerai encore plus tard, c'est un autre élément de gameplay. Ah mon dieu, la galerie s'est effondrée. Vite, elle faisant demi-tour. Et là, attention, zéro parle. Et là, donc, le petit boss fight tue. Alors la strat, c'est de se prendre la max de dégâts. Parce qu'il y a un script. Enfin, il faut attendre un certain nombre de tours. Ou alors, ça. Et là, oh mon dieu, mais qu'est-ce donc? Alors, soit il faut attendre un certain nombre de tours. Alors, ce que je vais faire de suite, c'est arme principale. Donc, vous voyez, là, j'ai sélectionné le Z-Buster. Ce que vous voyez en dessous, tout en bas, c'est un étoile. C'est en fait un petit peu le niveau d'arme. Plus je vais utiliser, plus j'aurai de l'expérience avec cette arme. Je dois créer des capacités. Donc là, hop, arme principale. Là, je vais juste attendre. Voilà. Qui balance une attaque. Et voilà, c'est fini le one shot. Donc là, mission clear. Incroyable, tu as réussi à détruire un golem, mais tu es blessé. Et nous sommes un Reploid légendaire. Donc, oh mon dieu, nous ne savons rien, je n'ai pas de souvenirs. On a dû se réveiller, merci d'avoir sauvé, je suis le scientifique. Voilà, et donc là, on va y aller en utilisant le transfert. Alors, pour les portes, c'est haut, la flèche haut. Et là, le transfert. Alors, la base résistante, donc tout ça, tout ça. Donc, on a le choix. Alors, ici, vous voyez, on peut charger les elfes pour les stages. On peut nourrir les elfes avec des cristaux. Ou retourner à la base. Et à la fin, le résultat, donc c'est juste pour se la péter, j'ai envie de dire. Bien la base de résistance, c'est un refuge pour les replays endommagés. Elles suspectent d'être des dissidents. Même eux, ils le disent. C'est pour nous dire le niveau que c'est. Nous savons que la fin est proche, nous sommes dans l'espoir, réserve d'agendaire, blablabla. Et oui, X est maintenant devenu un méchant. Alors X, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version évoluée de Mega Man. La version de
Ouais, la version améliorée de 100 ans plus tard. Et en fait, X est devenu méchant. Il veut être désactivé à tout le monde. En gros, il veut tuer. Donc là, on n'a pas le choix. Si vous faites pas question, ça fait deux boîtes de dialogue de plus. Donc là, hop. Donc ça, c'est le premier. La première mission, donc on est obligé d'accepter, on peut sauvegarder la mission, ce que je ne veux pas faire. Donc si le centre de retraitement est juste devant toi. Et là, les petites musiques qui sont trop funky, vous voyez? Alors. Ah ouais, ça me fait de la merde. J'appuie sur le mauvais bouton, donc ça a pris des screens, c'est trop bien. Alors. Voilà. Piu piu piu. Franchement, cette arme est juste pétée. Je vais essayer de la maxer pour monter niveau 2. Je vais me prendre des dégâts, ce n'est pas grave, je connais les strats. Par contre, l'épique à bobo one shot. Ah oui, alors on peut faire ça. C'est comme dans les Mega Man X sur Super NES. Alors les cyber elfes nous rejoignent. Hop. Alors bien sûr aussi les ennemis repop. Alors là, un super life que je ne peux tout simplement pas. Ça, c'est juste une usine à farm, ces choses. Alors je vais farmer pour essayer de maxer mon level de Z-Cyber. Voilà, force du Z-Cyber plus 1. Donc je peux tailler et entailler. J'ai un combo. Combo x2. Et le principe du niveau en fait c'est d'arriver à une zone, battre le boss de la zone et puis c'est bon. Rien de bien compliqué. Je sais pas si on peut maxer le Z-Cyber sur la première zone du jeu. Mais je pense que oui c'est possible. Et là je suis full life et ça c'est cool. Alors évidemment on peut récupérer les cyber-elfes. Ah, allez, viens là. Touche ma hitbox. Et raté. Regarde la caméra. Alors évidemment on ne sait pas le type des cyber elfes. Et donc les petits passages de chargement où on peut se reposer. Et la petite phase du boss. Alors c'est un boss time attack. Et déjà pour un premier boss il est assez assez dangereux. Donc il y a des strats. Ouais, alors là déjà je me fais défoncer. J'ai encore quelques strats dans les doigts. Voilà. Et là, bourré. Là c'est quasiment du bourrinage. C'est juste faire et refaire le boss à l'infini. L'infinisation de ce monstre. Et alors voilà. Alors là c'est un petit dialogue, blablabla. Mais ceci là. Alors voilà, tac, j'ai acquis la puce foudre. Alors on va y aller direct. Là on a débloqué un nouveau truc, c'est l'élément. Dans le jeu il y a trois éléments qui sont disponibles dans deux autres missions. La première qui est obligatoire c'est la puce foudre, qui permet de faire des dégâts d'électricité. Il y a la puce glace et la puce feu. A savoir que en fonction du type d'ennemi contre lequel vous battez et aussi des boss, vous leur mettez le double de dégâts. Et c'est super important. Donc là je m'équipe de l'élément foudre. Alors aussi une chose à savoir, c'est qu'on peut abandonner les missions, ça ne change rien au jeu. C'est juste qu'on finit le jeu plus vite. Alors blablabla. Alors. Alors oui, je reçois l'unité de repli. L'unité de repli en gros ça correspond à la fuite. C'est-à-dire que dans le jeu, enfin dans chaque mission, si je veux faire une fuite, et ben je fais du coup je vais faire une mission le train. Et puis après je m'arrêterai.
Donc en gros le train, mon dieu, il faut absolument le rattraper. Donc vite, vite, vite. Ça c'est des cristaux, c'est inutile. Alors le vide aussi me tue. Mon dieu, vite, vite, vite. Je suis speedrunné du pauvre. Alors ça c'est du fil, ça se coupe. Oh, essaie. Alors attention. Hop là. Hop là. Voilà. Couché. Là, il me faudrait juste un poil de vie. Ah, c'est des salles de transition. Ça y est, je me souviens. Alors là, un boss un peu nul. Là, en fait, faut juste bourriner. En fait, ça, c'est le boss nul. Enfin, c'est le demi-boss nul. Mais il fume. Du coup. Et je suis décédé. Donc c'est le game over. Mais j'ai une vie. Donc je peux recommencer. Du début par contre, et ça c'est chiant. On va essayer de ne pas la jouer trop con. Pas trop ballsy cette fois. On essaye de drop du soin. Là, je suis concentré au maximum. La concentration d'un homme à son paroxysme. Là, un peu de soin. Ah, voilà, c'est R enfoncé plus B. Voilà, et c'est la destruction, c'est le décès pour cet homme. Qui nous donne en général Cyberelf. Alors, les boss, enfin les boss entre guillemets, les moins importants, vous aurez toujours un Cyberelf de qualité. Voilà. Il faut sauver le Cyberelf car son pouvoir est... Son pouvoir dépasse l'entendement. Et là, c'est... Donc là, j'ai choisi une zone time attack, trop bien. Avec des ennemis ultra badass qui peuvent me maraver la vie, qui peuvent complètement me force du Z Saver plus un génial taille en taille et pour fin, mon dieu, c'est le combo breaker. Là par contre j'ai juste essayé. Ah non, c'est bon, le soin max. Alors tout ce que vous voyez est fait par un professionnel de ce jeu, évidemment. Inutile de le rappeler, je renais, dérenais et re-renais depuis des années. Un niveau de skill supérieur à celui d'un joueur confirmé de Mega Man 2. 2 minutes pour battre un monstre, c'est parti. En plus je l'aime pas du tout. Tu es dans la machinerie, mon dieu, c'est un cerveau mécanique.
Et donc là, je n'aime pas ce boss. Voilà. Voilà, déjà, ça commence. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, le dessin, toujours. Toujours décédé comme une grosse merde. Donc on recommence. Allez, on y va. Et on recommence du début. Oui. Ah, on adore ça, on adore ça, on aime ça. Du coup, attention, hop là, l'esquive, la deuxième esquive, la troisième esquive, hop, le petit coup de sabre préventif. Là, il me faut juste un pôle de vie. Parfait. Mon dieu, tu es dans la machinerie, prends garde mes couilles sur ton front. Vite. Du coup là, je vais... Alors, c'est un truc que je fais pas d'habitude. Voilà. J'essaie juste d'augmenter la force du Z-Cyber, enfin du Z... C'est là que ça va être un poil plus complexe. Ou alors je dis n'importe quoi et je vais le dessiner en deux frames. Non, je vais juste pas le dessiner en deux frames. Non, il a le boss a décidé de la jouer non safe. Donc attention, la dernière, et voilà. Alors on peut dire que là le boss s'est décédé dans le... dans sa chiasse, voilà. Alors en gros ça va être comme ça. Si vous voulez faire toutes les missions, vous pouvez, vous en avez pour, en jouant bien, 4-5 heures. Mais je pense que vous allez vous amuser sur ce jeu. Voilà tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc en fait c'est juste t'as récupéré un elfe hyper pété, OP, tout ce que tu veux, mais il faut le nourrir. Voilà la seule petite contrainte du jeu. Alors avant de finir, je vais quand même vous montrer un endroit qui peut être utile pour ceux qui veulent faire un jeu full pourcent. C'est normalement ici. Voilà, ce personnage vous donne des armes. Non, pas lui. Mais reviens. Gros lard. Bien, alors. Merde, ça y est, poisson rouge. Ah oui, cette personne donne des armes, alors il faudra aller le voir. Il faudra aller le voir de temps en temps. Et puis en haut, je vous laisse explorer un petit peu le reste de ce jeu, mais je vous assure que si vous avez 3-4 heures à dépenser, prenez le jeu, il est totalement gratuit, il est bien, il est beau, il est génial. Sur ce, merci à vous tous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, ce petit rétro. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu qui, j'espère, vous plaira. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, de mettre un clic au pouce bleu, c'est important, c'est gratuit et ça ne coûte rien, c'est moins cher que gratuit. Vous abonner aussi si mes vidéos vous plaisent et si vous en voulez un peu plus.
me suggérer dans les commentaires des fan games aussi des rétros, je verrai lesquels je prendrai et je vous citerai sans doute si vous m'avez donné le bon jeu. Merci à vous tous, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.